A spectre is haunting France, the spectre of communism. Mesdames et messieurs, et pour beaucoup d'entre vous, très chers camarades, ce jour-ci a été un jour bien triste quand il a commencé. Et le sentiment qui nous opprimait alors en apprenant la nouvelle du décès de Fidel nous a amené une fois de plus à penser que c'est dans l'exemple de nos héros que nous puisons sans cesse les leçons et l'énergie dont nous avons besoin pour continuer à ouvrir le chemin qu'en leur temps, à leur place, ils ont d'abord dégagé. Il y a une culture communiste et je veux ici même lui rendre hommage. Lénine, dictateur ou pas, Daniel? Non, alors Lénine, pas dictateur du tout, non. C'est-à-dire, j'ai des tas d'exemples qui vous montrent que Staline, que Lénine n'a rien à dictateur, que le dictateur, c'est effectivement Staline qui... Et on commence par l'inauguration des fameuses statues à Odysseum, comme vous le voyez sur ces images. Georges Frêche, le président de l'agglo à l'origine du projet, a commencé par dévoiler la statue de Jean Jaurès, puis il y a eu Lénine il y a quelques minutes. Le communisme, ça serait une société égalitaire, où tout le monde pourrait travailler et vivre dignement de son travail. Ça permettrait à tout le monde d'avoir accès à un logement décent, de manger à sa faim, d'avoir accès à une bonne éducation et à des soins médicaux modernes. An undulating glass facade. A white dome. In the Parisian landscape, between Haussmann facades and 30s brick-built low-cost housing units, the home of the French Communist Party. Non mais je la surprendrai par mon marxisme échevelé. C'est parfois. Vrai? Mais oui, je suis sans doute plus marxiste qu'elle. Ségolène Royal is the official French representative at Fidel Castro's funeral. But her views on the Cuban regime are proving controversial. There are always positive and negative stories. Some people are crying foul in the name of human rights. What we know is that here, when we requested lists of political prisoners, there were none. Give me a list of political prisoners, then we can do something. À ce moment-là, on pourra faire quelque chose. Grâce à Fidel Castro, les Cubains ont récupéré leur territoire, leur vie, leur destin. Magnifique et d'un pays courageux qui est en train de s'ouvrir et qui reçoit 4 millions de visiteurs et de touristes par an. Vous n'allez pas dire que 4 millions de personnes se rendent dans une dictature, ce n'est pas vrai, monsieur le député. C'est Jean-Luc Mélenchon qui est le plus proche de vous sur l'échiquier politique. Pour nous, ça reste très limité, sa remise en cause du système, parce que il ne remet pas en cause le système capitaliste, il ne remet pas en cause même la propriété sur l'économie des capitalistes. Donc nous, on remet tout ça en cause. Et ce que je tiens aussi à dire, parce que je voulais rebondir sur l'idée de la révolution citoyenne et de la 6e République. Bon, mais ce n'est pas ça une révolution. Tout à l'heure, vous m'avez parlé de Marx. Bon, ben écoutez, non, le problème qu'il y a et qui pèse sur nos têtes, c'est la dictature de cette classe capitaliste qui domine les grands groupes industriels et financiers. Et je suis désolée, mais votre changement de numéro de constitution et de République n'y changera à rien. Mais vous le soutenez, Kim Jong-un? Comment? Vous le soutenez? Ah bah, heureusement qu'il existe, parce que s'il y avait que l'autre connard de Trump, oui. On serait dominé que par un con des États-Unis. Et vous aimez Staline? Staline n'a pas fait que des conneries. Pour vous, il a fait beaucoup de choses de bien. Tout à fait. C'est pour ça, je veux dire, c'est pas un hasard si je me suis senti un peu en résonance avec ce pays, parce que c'est une expérience, on va dire, politico-historique qui mérite d'être observée, très intéressante, à mon avis relativement réussie et aboutie, et qui répond à pas mal d'interrogations qui sont les nôtres, à égalité, réconciliation. C'est Changzhen, l'avenue Changzhen. C'est pas ça la Cité des Sciences, non? Non, ça c'est une autre qui a été construite en 2012 à l'occasion. Donc en fait, ça... Why is communism still a thing in France? As for all country-specific phenomena, you have to look at history. The first question is, where does communism come from? Of course, we can go back to Plato.
But I think in the modern era, the first ancestor of communism is Jean-Jacques Rousseau, a French philosopher who denounced private property as a cause of inequality among men. Rousseau greatly influenced some people who made the French Revolution, which gave birth to the French Republic in 1789. In regard to revolution, since 1789, the French are crazy about it. And many of them still dream of a day when the people will rise up against the power and set up a perfect happy society. Don't laugh, I'm serious. She says the Soviet Union never instituted true communism. She still keeps the dream of the victory of the proletariat alive. She still believes in the superiority of a planned economy and feels vindicated by the recent global economic crisis. The crisis is the fault of capitalism in European countries. The market has become too important. Je crois que le socle de cette illusion, c'est la passion révolutionnaire. C'est l'idée que la société, à condition d'être remise sur pied, fabrique un monde heureux, un homme nouveau. On peut modifier la nature par la construction d'une société meilleure. Et alors les Français sont naturellement habitués à cette idée, parce que les Français sont un peuple qui ne sépare pas la révolution et la démocratie. Bien sûr. Et spécialement en France, parce qu'en France nous avons une tradition révolutionnaire très violente. Oui, bien sûr. Nous avons la déclaration des droits de l'homme, mais nous avons aussi la guillotine. Et donc il y a là quelque chose d'assez troublant. It was mostly during the 19th century that France gave birth to a new ideology called socialism, of which communism is simply the most radical form. Actually, Karl Marx was not the creator of communism. He was a reader of French socialists and communists who were here before him, and he actually became communist by reading them. At the same time, French great literature was largely based on hatred of the bourgeoisie. Si, qu'est-ce que devient Flaubert ou Balzac ou Stendhal? S'ils ne détestent pas les bourgeois. And from the first socialist thinkers of the 19th century to, well, still today, you have an uninterrupted tradition of intellectuals and artists who support communism and who influence each other. Quand on regarde les générations qui ont été communistes en France, on s'aperçoit qu'aucune n'a éduqué l'autre, que chacune doit faire sa propre expérience. Oui. Souvarine sort, mais il ne sert pas à la génération suivante, Malraux, Gide, Aragon. Ceux-là ne servent pas à ma génération, nous ne servons à rien. Of course, there have been always anti-communist intellectuals. And I think one of the best was Frédéric Bastiat. But as time goes, it became more and more small, isolated voices against whole armies of leftists. And most of the time, as it is the case for Bastiat, for instance, they quickly fall into oblivion in their own country. So the French intellectuals were enthusiastic about the Soviet Russia and all the revolutionary experience such as Mao China, Cuba, Cambodia and so on. For instance, the philosopher Michel Foucault supported the Iranian Revolution, or the philosopher Régis Debray went to Bolivia in order to help Che Guevara to make the revolution. And by the way, the dictator Pol Pot and the Khmer Rouge, the Red Khmer, in Cambodia, which was the bloodiest regime ever, was trained in France. And when the Khmer Rouge took power, Parisians intellectuals were excited. So the first important point here is that communism, as an idea, comes from France. Therefore, it's a part of our culture of and our intellectual tradition. The French always want to keep their cultural identity above all. They are proud of everything that comes from themselves and which is exported. Believe it or not, but to be a communist in France is seen as to be intellectual, to be intelligent. Of course, one can argue that Germany had Marx, Engels and many others. But unlike France, Germany suffered communism during the 20th century. France has had more or less socialist policies, but always in the framework of a liberal system with mixed economy. And I think the fact that France has never directly suffered from communism also explains why the idea is still alive. The second point is historical events. I already mentioned the revolution of 1789. I could also speak about the revolution of 1848, about the Paris Commune in 1871, or the Popular Front in 1936.
But the most important event, I think, in regard to our topic, is the role of the French communists during the Second World War, and more specifically, their role during the German occupation of France. When we think about the French resistance against Nazism, we think first of all of Charles de Gaulle, who was not a communist. But the communists took in an important part in the resistance against Nazism. Therefore, communists were seen as heroes and victims in the same time. They helped save the country. Actually, there were also socialists who collaborated with the Nazi. But this topic is almost a taboo in France. Towards the end of the war, the resistance established a political program to be applied when the France will be free. This program, developed by now extremely respected people, was strongly influenced by communism. After the war, education in France was under communist influence, in accordance with the Langevin-Vallon plan. It is a well-known fact that for decades, and still a little today, teachers in France were almost all leftists. And on the other hand, the policy of Charles de Gaulle himself was pretty authoritarian. In fact, the French have always loved authoritarian ideas as long as they do the prestige of France. Think about Napoleon. These are the two key reasons, in my opinion, for which communism is always a thing in France. First, the prestigious intellectual tradition, and second, the historical events. There are other reasons, but I think they essentially derived from that too. So this is it for today, and of course, if you like the video, feel free to comment, to ask questions, to share, to subscribe, etc. And thank you for watching.